Et salut tout le monde, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO, on est ensemble pour l'épisode numéro 31 du coup sur The Last of Us partout. Et je vais pas dire que c'est le dernier parce que déjà je m'attendais à ce que la dernière fois ce soit le dernier. Il n'en est rien, donc peut-être que ce sera le dernier, j'en sais rien, on verra bien. Nous avons repris le contrôle d'Ellie après avoir pas rompu mais fait comprendre à Dina qu'on voulait reprendre notre quête sur notre vengeance sur Joël. Enfin, on veut venger Joël de sa mort, bien entendu, ça fait depuis le début du jeu qu'on est comme ça. Bien le fait que Abby ait épargné Ellie et Dina, au final, le comportement de Tommy a fait en sorte que Ellie est repartie en quête jusqu'en Californie, hein, alors que Abby a bien dit à Ellie qu'elle ne voulait plus jamais la revoir et que je pense que c'était la dernière fois qu'elle l'a laissée en vie, tout simplement. Donc on en est là. Nous sommes arrivés jusqu'à Santa Barbara puisque avec Abby nous avons donc la preuve qu'il y a bien des lucioles encore qui sont juste... Ils ont abandonné leur avant-poste, ils sont foutus tous ensemble dans une base précise. Et elle a été capturée par un groupe, peut-être qui s'appelle les Crotales, j'en suis pas sûr. C'est des puants, non mais j'y crois pas. Et puis nous, de notre côté, on est toujours à sa recherche pour la tuer également. Est-ce qu'on va être en conflit avec ces fameux Crotales? Je sais pas. Bruyeux, hein. Il y a des coureurs aussi. Oh la vache. Alors, j'ai envie de me servir de ça. Oh putain. Ah oui, mais forcément. Je me suis pris comme un manche. C'est pas du tout ça que je voulais faire, bien entendu. Alors. On va retourner à la salle de billard. Ah bah j'y suis. Voilà. Comme ça, s'il vous prend l'envie de venir vers l'un. Évidemment, c'est de l'autre sens que ça va arriver. C'est pas vrai, ça. Oh punaise. Ah putain. Oh là 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 là. Bon, alors on va continuer cette tactique parce que ça avait l'air quand même pas mal. Ça les tue pas en un coup, hein, cela dit. D'accord. Voilà. Je les attire par là et je m'arme du fusil à pompe. Elle est dans le feu, bande d'andouille. Bim! Ah putain, ça m'a quand même enlevé des vies. Yeah.
Oh! C'est pas vrai, ça, hein? Bon, bah c'est la première fois que j'aurais éliminé des choses. Préviens, Abby, si tu t'es fait buter par des infectés. Ouais. Eh ben, je veux la suite. Il faut que je me casse d'ici. Je reviens pas qu'on soit encore à sa poursuite malgré le fait qu'elle nous ait encore épargné une seconde fois. C'est ça que je trouve assez curieux quand même, hein, dans le choix des lits. Mais bon. Concrètement, c'est Tommy, hein, qui lui a mis, qui lui a remis dans la tête. Hein. 72. Stabilité, vitesse de bandage. On va mettre ça en stabilité. Voilà. On est à peu près au même niveau de grade, hein, entre les deux filles. Et non, je peux plus. Allez, hop. Bon. En tout cas, il y avait du monde dans cette maison. Et que des gros, hein. Ça n'a pas été épargné par l'épidémie ici, hein. Non, malgré qu'il y a un coup de plus, moi j'ai upgradé le mien, donc non. Allez, on se casse de là. Par la fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Il doit bien y avoir une rue dans le coin. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va pas tarder à retrouver la rue où on était avec Abby. Santa Barbara se trouve en bas. Ou alors on va atterrir dans 25, la Constance. Dans la base où des lucioles peut-être. 24-25 Constance. Je longe la côte vers le sud, j'ai vu personne depuis plusieurs jours, s'il n'y a aucun bateau intact. Et si Tommy se plantait, s'il n'était plus là, faut pas que je pense à ça. J'ai enfin atteint la côte, c'est magnifique, il y a des fleurs partout, une épaisse brume matinale. Je crois pas que l'armée soit venue jusqu'ici, elle s'est peut-être trop dispersée. Je voudrais que Dina voit ça, elle hallucinerait, j'aime bien le bruit des vagues. Ah bah j'avais pas lu tout ça. Toujours dans cette putain de cave, les piles de ma lampe torche sont bientôt mortes, l'obscurité me rend dingue, je le vois, je sens le fer, Dina me manque, Patate me manque, qu'est-ce que je fous ici? Je suis sorti, la horde a été distraite par un groupe de voyageurs, ils s'en sont pas tous sortis, deux d'entre eux étaient des enfants, je les ai enterrés. Palmdale, Californie, bon, je suis caché dans une cave, j'attends que la horde passe, tu me manques, Patate. Je suis arrivé à l'extérieur de Las Vegas, je peux entendre des infectés d'ici, il doit être des milliers à l'intérieur, c'est l'horreur, je vais faire le tour. Parc naturel de Dixie, des chasseurs ont voulu me faire la peau, ils l'ont regretté. Et voilà. Et ça, on l'avait vu. J'ai attendu le lever du jour, mais la nuit perdure, je ne sais pas si je suis aveugle, pourrais-je un jour fermer les yeux. Bien. Mais comment ça va se finir? Les crotales, du coup? Les lucioles? De toute façon, ça va être l'une des deux. Hein. Vu que la guerre civile à Seattle, c'était les Scars, les Séraphites, contre les Wolves, peut-être qu'ici, les lucioles ont, entre guillemets, survécu, et que ce sont les lucioles contre les crotales. Tout simplement. Elle est forcément en bas. Mes vies, comment elles sont là? On va se soigner, hein. Voilà. J'ai un petit medipack qui m'attend là. Voilà. Et je reprends mon silencieux. Ah! Bah, par là.
Ça descend un petit peu plus. Ça fait un peu haut quand même encore. Hein. On n'a pas une petite descente là? Là, vers là, là. Pas vraiment. Il n'y a que dalle. Zut alors, comment je fais pour descendre, moi? Au moins que ce soit pas haut pour elle, mais bon. Ça me paraît quand même assez élevé. On va continuer par là. Ah. Putain, il y en a encore, c'est pas vrai. Putain, il y en a partout. Je l'ai eu. C'est presque trop facile. Autant profiter des hauteurs, hein. Bien. Alors n'oublions pas qu'il y avait des coureurs hein, quand j'étais avec Abby de toute façon. Donc alors là ça va être trop haut. Une fois de plus. Là on peut pas y aller. Je vais devoir passer par la caravane là. Non, je peux pas aller par là. Par la camionnette peut-être. Je peux pas y aller. Ah, par là. Tout simplement. Oh, le piège! Merde! Non, non, non! Et le couteau? Merde! Ah, je sais pas si c'était prévu là l'écorce, mais c'était bien joué. Vivante. Comme c'est le mec qui l'a chopé. Cette gare, c'est dans un sale état. Ah, putain. Elle tiendra un mois à tout casser. Sérieux, on pourrait pas s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, descends l'infecté de là qu'on remette les pièges en place. T'es sûr, mec? Ça vaut vraiment le coup de la ramener. Elle est pas si... Merde. Oh, elle t'a mordu? Oh, non, 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 j'ai rien. Oh, j'ai rien. Oh putain. Tu trouves ça drôle? Je crois que t'as chié dans ton froc. T'as dit quoi là? J'ai dit que t'es une vraie mauviette. Ah, ah tu te crois marrante, c'est ça, hein? Allez, debout. Ouais, debout. Ça vaut pas le coup. Je m'en fous. On va claquer de toute façon. Viens à toi. Oh putain. Chier là. Merde. Attends. Attends, attends. Tu as dit Abby. Tu cherches une habille, pas vrai? On en a chopé une, il y a quelques mois. Ouais, c'est ça. Une fille musclée. Blonde. Des bras comme les miens. Accompagnée d'un petit merdeux avec des cicatrices bizarres. Ouais. C'est bien elle. Laisse-moi partir. Je te dirai où elle est.
tu la trouveras avant que l'infection prenne le dessus. Parle. Elle est dans une cellule, dans notre camp. C'est où ça? Va de ce côté-là, jusqu'à la voie ferrée. Ça t'amènera à un complexe. On les met dans le grand bâtiment circulaire. Je te le jure. Oh la vache. De ratisser le secteur. Ah oui. Vérifier que c'est le seul à être sorti. Et faites gaffe aux infectés. Ouais. Si j'apprends que quelqu'un l'a aidé, cette raclure est bonne pour la piscine. Elle m'y reste pas à côté. Quel gâchis. Ça faisait un moment qu'il jouait au con. C'est le troisième, Swazi. Tu devrais mettre plus de gars au portail. Y aurait pas besoin si les gars du portail faisaient leur putain de boulot. Va jeter un œil. Je veux être sûr qu'il était seul. Oh là 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 là. Ouf. Heureusement qu'elle regardait les buissons, hein. J'y vais, je suis un ouf, je suis au ouf. Ouais. Alors, et là-bas, il y a un chien. On va éviter. Bon. Où sont les autres? Ok, c'est ouvert de ce côté aussi. Putain, on se croirait au Nouveau-Mexique ici. On dirait la Californie, c'est pas très loin. Ok. Alors j'imagine que le trophée que j'ai eu là, Arsenal, c'est parce que bah ça y est, j'ai débloqué toutes les armes du jeu. Je l'ai pris au mec que j'ai buté dans la cinématique. Alors, ne brûlons pas les étapes. Je vais aller jusque dans la cellule, la butée, sérieux. Putain. –
Ok. On va reprendre celle-là quand même. Hein. Avec un silencieux, on dit pas non. Petit bout là, on va pas s'embêter, hein. Il y en a un là, punaise. Là, il se barre. Oh putain, il y a l'autre à gauche. Avec le chien en plus. Celui avec le chien, j'aimerais bien l'éviter. Ben voilà, le tout petit bout, c'est bon. Ça c'est bon. Et là, il n'y a rien. Parfait. Zone suivante. J'en vois un dans le dans la structure là-bas. Alors, est-ce qu'on voit un bâtiment circulaire là? Non. Il y en a deux là-bas. Ah putain, le chien qui m'a flairé. Alors là, c'était pas loin. Il y a sûrement quelque chose. T'as trouvé quoi? Rien à signaler par là. Hein? Hé, t'entends ça? Va voir ce qu'il y a. La piste s'arrête là. Ton chien a quelque chose? Je vois rien du tout. On y va. Elle m'a vu, elle? Qu'est-ce qu'on a? Hein? On a quelque chose? Personne? Rien de mon côté. Punaise, que c'est chaud. Et si on passait vers lui là? Je m'en charge de quoi? D'accord. Oh putain, il y a encore un chien, mon sang. Merde. Merde. Je crois que ça venait de là. Désolé, toutou. Voilà. Ah,
Là. Ouf, que c'est chaud. Chaud les marrons là. Allez, on se tire de là. Oh, c'est une impasse par là, j'y crois pas. Ah si. Voilà. Tant pis, je vais pas dans la bâtisse là, mais bon. Et voilà. Nickel. Il faut que je la trouve avant que ces connards la tuent. Oh putain. Elle est insatiable. Bon, et du coup, j'ai usé pas mal de balles là. Alors, je pense que je suis arrivé au bon endroit. Le bâtiment rond, ça y est, je le vois. Il est encore de l'autre côté. Comment je vais entrer là-dedans ? Alors là, c'est une très bonne question. Mais il y en a encore du chemin, hein, nom de Dieu. Ah, je sens que le jeu est pas fini encore. C'est ouf. Mais c'est ouf. Bah si, je pense qu'une fois arrivé là-bas, vu que c'était déclaré en durée de vie à peu près 30 heures, enfin, entre 20 et 30 heures, là je suis quand même à la 31e presque. Donc bon. Je devrais en être à la fin. Ça, c'est de l'enfoiré, eux. Il ressent rien du tout. Laisse-moi, je lui ai promis que. Ah, mais ils ont attaché un. C'est un coureur ou quoi? Oh, c'est des tarés. Putain, les wolves à côté, c'était des roses, hein. N'empêche, les mecs qui ont répondu à la radio, là, les lucioles, bah, si c'était vraiment des lucioles, si ça se trouve, c'était juste un leurre. C'est vraiment des enfoirés, ils auraient pu leur prévenir, hein, si c'était pas, si c'était vraiment des lucioles. Oh putain, il y en a un là. C'est une embuscade. Je crois que ça venait de cette direction. Putain, mais comment ça se fait que ça l'a pas buté? Et comment ça se fait que je n'ai qu'une seule balle? Mais je me suis mal pris. Je m'y suis très mal pris. Putain, c'est pénible ça. Ou alors c'est le casque qui a fait que aussi peut-être. Ah, il n'y est pas tout le temps. Hein.
Là, il n'y est pas, vous voyez. Par contre, il y en a un autre de l'autre côté, sur le toit. Et là, j'ai qu'une balle, en silencieux. Et puis ils vont pas venir, hein. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Yes. Oh, c'est ouvert. Quoi, j'ai du bol, hein. Ok. Là, j'ai du bol. Bon. Plein de l'alcool. Je suis dans une buanderie. Faites voir, là, les pilules. Ah, 83. Qu'est-ce qu'il me restait avec Ellie? Il me restait les fumigènes supplémentaires, mode écoute portée, confection de flèches explosives, bien sûr. Voilà. J'avais moins avancé sur les pilules avec Ellie qu'avec Abby, bizarrement. Bon, ici, il n'y a rien. Et on monte par là. Le voilà. Par ici. Oh, ils sont tarés. Ouais, c'est bien des coureurs, hein. Putain, ils sont tarés complets. On va contourner, hein. On va pas passer à côté du coureur attaché, faut pas déconner. Il y en a plusieurs en plus. Ils s'en servent pour quoi? Pour prévenir du danger ou se foutre de leur gueule? Taré. En plus, du coup, avec le bruit de ces coureurs, ils savent pas s'il y a des autres qui sont pas attachés qui pourraient les attaquer. Ils sont complètement inconscients. Ah putain, ah non, je croyais que c'était des chiens. Le bâtiment circulaire, il est là. Wow.
Allez, viens là, toi. Quelle bande d'enfoirés. Complètement taré, hein. Ça me rappelle The Walking Dead, hein, sérieusement. Dans le DLC 400 Days du premier Telltale. Il y en avait un qui avait attaché un coureur, enfin... Oui, ils appellent pas ça des coureurs, mais un zombie, quoi. Et pareil, il le nourrissait comme ça, là. Dégueulasse. Hop, punaise. Là. Il faut que je m'approche. Quoique, est-ce que je peux pas passer de l'autre côté, là? Évadez! Et t'es pas mort. Putain, mais... Bouge pas! T'es morte! Bordel. Là, tu bouges plus. Oh putain. Mais... Eh hey merde, ils étaient trop. Ah mais c'est dommage, j'étais bien passé là en termes de d'infiltration là, j'étais pas mal. J'ai battu l'autre, ok. On va passer donc sur le côté extérieur. J'ai voulu aller plus vite et ça m'a porté défaut. Ah, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Oh punaise, j'ai bien fait de pas y aller. Et voilà. À la vue du premier, c'était parfait ça. Alors il y en a un au fond, il y en a un à gauche. Non, 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 non. Ils sont énormément. C'est pas vrai. Ah, je redémarre là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Putain, il y en a un là aussi.
Ah là là, il m'en range pas là. Alors lui, il fait le latéral, ok. Par contre, il bouge pas celui-ci, hein. Ah non. Qui fait que lui, je vais devoir le buter quand il revient. Ah, c'est serré les rangs ici, hein. Ah ouais, mais lui, il va me voir. Il se casse. Fugitif ! Oh, genre! Te tiens! Bordel de merde! T'es dans la merde! Oh, la salope! Là! Les deux! Aïe 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 non. Mais c'est pas vrai. Oh, il m'embête, hein. Surtout l'autre à droite là qui veut pas bouger sa de son truc là. Passe un truc. Je vais jeter un œil. Ok, fais attention. Voilà. Il y en a une à cavale. Et puis il y en a un en haut, évidemment. Ouh. Putain, il s'est foutu sur le côté. On va se soigner, hein. Oh merde. Oh là 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 là, c'est chaud. Voilà. Oh putain, il y en a encore, c'est pas vrai. Je vous ai fait une boucherie là. Voilà. Voilà. Mais c'est impossible de passer comme ça, là, inaperçu. Hein.
Allez, on va monter. Le coup de la bouteille, c'était sympa quand même. Hein. Avouez que c'était bien joué. Mais alors... Pff. Bon bah là, j'imagine qu'il n'y a plus personne. On nous a attaqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Ça doit être un putain dévalé. Merde. On se disperse. Protégez la tour. Ah, il y en a encore beaucoup. Hop, 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 hop. Suffit que j'y aille pour qu'il y en ait un qui arrive. Pas la bouteille, qu'est-ce que je fous, moi? Il vient par là, lui. Derrière moi, c'est un vieux cul-de-sac. J'ai qu'une balle en silencieux, bon sang. Aucune issue en haut. Choice. Oh, j'ai niqué toutes mes molotovs, ça y est. Oh là là, tout ce qu'il y a. Oh, à droite quoi. Oh, ça fait deux fois lui hein. C'est pas vrai. Ah mais il y en a encore. Ah putain. Rapprochez-vous. D'accord. Oh non. C'est terminé. Oh oui. Mais c'est quoi cette forteresse là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais rien. Ça doit être un putain dévalé. Merde! On se disperse! Protégez la tour! Bâtiment.
Merde! Armée. Ouais! Forcez le passage! T'es sérieux là? Tu utilises les mêmes armes que moi. Le mec quoi. On se réveille. Putain, quel enflure. J'ai plus rien. Ah! Oh putain! Je vais pas y arriver! Je vais pas y arriver! Mais c'est pas possible! Ah, c'est chaud là! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils sont 50 millions là! Comment je peux faire? Je peux pas passer en s'infiltrant, c'est impossible! Plus. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Là. Ah, c'est chaud là. C'est bon, il y en a plus. Ah, j'ai utilisé tous mes trucs. La caca catastrophe, quoi. Bon. Avant de descendre. Putain, je suis à 55 minutes. C'est pas vrai. Oh, quoi? À droite. Non mais j'y crois pas. Il y en a encore un. Une. Allez, viens là ma petite. Non.
Là. Bon. On va s'arrêter là, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, on se retrouve encore pour un autre épisode de The Last of Us Part 2. Allez, salut à tous !